cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. Right now we're in front of Notre Dame waiting for my professor, Bartorel, to show up and interview, and we're going to be talking a little bit more about Savat, its history, the reasons why, and the techniques, the way it was built. Paturel, j'ai 60 ans, je suis professeur de boxe française, je suis policier de mon état en retraite, j'ai fait 20 ans en groupe d'intervention, j'ai commencé la boxe française à 16 ans chez le professeur Richard Genodeau à Nanterre. J'ai toujours été attiré par la boxe française de par mes lectures, c'est-à-dire que à l'époque quand j'étais jeune j'avais pas la télévision et je lisais beaucoup, c'est un petit peu ce qui m'a sauvé d'ailleurs, et notamment dans les écrits de Jules Verne, de Eugène Sue, ou de Victor Hugo, ou de Maurice Leblanc, Gaston Leroux. Les héros pratiquaient la savate à l'ancienne, et j'ai toujours été attiré par la savate boxe française. Dans ma famille, on faisait beaucoup de boxe anglaise, mais n'ayant pas de club de boxe anglaise, j'étais un petit peu privé de ça. Et quand il y a un club de boxe française qui s'est ouvert à côté de chez moi, j'ai couru m'inscrire chez Richard Genodeau. J'ai fait mon premier combat après 6 mois de boxe, et à l'époque c'était pas des assauts, c'était des combats totaux. J'ai rencontré quelqu'un qui était plus âgé que moi, qui était plus lourd, plus expérimenté. On m'a déclaré vainqueur parce que j'ai fait quelques coups de pied dans le vide alors que lui faisait que des points, mais pour moi j'avais perdu ce combat. Donc j'ai continué après dans ma petite progression, j'ai fini par faire en tout 103 combats dans ma carrière, donc 88 victoires. J'ai pas souvent gagné par KO parce que c'était pas trop ma recherche, je construisais mes combats plutôt que essayer de démolir. Par contre je n'ai jamais été KO moi-même en 103 combats, je pense que c'est une chose dont je peux m'enorgueillir et ça me permet de garder tous mes neurones et ma santé. Et voilà. Donc après, je me suis intéressé beaucoup à l'aspect self-défense du fait de ma profession. Donc je suis allé voir tous les gens qui pouvaient m'apporter quelque chose à ce niveau, notamment sur les armes blanches, les bâtons et toutes ces choses, pour pouvoir enseigner au niveau de mes collègues dans le groupe d'intervention. C'est de là que je suis parti sur l'aspect self-défense. D'abord la savate défense avec Eric Keke. Et puis enfin mon module un petit peu qui s'appelle boxe de rue. Au départ c'était même bagarre de rue, mais ça avait un côté péjoratif, bagarre de rue, donc j'ai préféré le terme boxe de rue. Je me suis un peu inspiré de ce que faisait Paul quand je suis allé voir Paul, la danse de rue, et j'ai trouvé que boxe de rue c'était un bon concept, une bonne idée au niveau de la nomination.
Et puis voilà, et actuellement, bah, je fais pas mal de stages dans toute la France et même à l'étranger au niveau de la boxe de rue. C'est un principe qui s'exporte bien et c'est une façon pour moi de représenter la France et notre discipline à l'étranger, puisque automatiquement, je vais parler aussi de savate et notamment de la savate ancienne qui m'a toujours intéressé de par son concept et de par son côté historique. Tous les grands professeurs que j'ai pu rencontrer à mes débuts, mis à part bien sûr mon professeur Richard Genedot, il y a un boxeur qui m'a toujours impressionné, c'est Christian Guillaume, qui a été faire des combats notamment contre des Japonais en kickboxing et qui a gagné brillamment. C'est un grand champion, quelqu'un qui était aussi professeur de judo, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'apprécier. C'est un grand monsieur. J'ai même eu l'occasion de le boxer, alors qu'on n'était pas dans la même catégorie. Un soir où je devais rencontrer un de ses élèves, et que son élève a déclaré forfait, Christian Guillaume est arrivé, il a dit « Je vais te montrer ce que c'est qu'un champion ». Il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de le rencontrer, alors que moi j'étais un jeune débutant. J'ai accepté la rencontre. Je devais faire 7 ou 8 kilos de plus que lui. Il n'était pas préparé à ce combat. Il est monté sur le ring après avoir éteint son cigare et on a fait un combat mémorable où il a gagné au point. Mais moi, j'étais très content d'avoir fait ce combat contre lui et de finir toutes les reprises. Son spécial, c'était un coup de pied au foie. Il était fausse garde et il partait comme une vraie garde. Et il déclenchait le bras droit et il partait avec son pied gauche qui était meurtrier et qui touchait sur le flanc droit. Il gagnait tous ses combats comme ça par KO et il n'a pas réussi à me le mettre à moi, mais j'ai bien senti qu'il frappait très très fort avec ses chaussures en pointe au niveau du foie, puisque j'avais le coude qui avait doublé de volume du côté droit. Et il m'a félicité de ce combat et il est parti après vomir dans les vestiaires parce qu'il n'était pas donc préparé pour ce combat et c'était encore un acte de gloire pour lui d'avoir fait ce combat ce soir-là. En ce qui me concerne, j'avais une prédilection pour certains coups de pied, notamment le chassé, latéral mais direct qui monte un petit peu comme ce qu'on appelle un coup de pied de mule, c'est-à-dire un chassé frappé mais vraiment avec la pointe du talon, je dirais, à l'intérieur de la garde de l'adversaire. Et puis aussi le balayage en revers tournant en bas que j'affectionnais particulièrement pour désarçonner quelqu'un et le faire partir au sol. Autrement, en ce qui me concerne, moi, c'était toujours une partie d'échec, un match de boxe. C'était pas. J'essayais de dédramatiser la situation en me disant que je ne rencontrais pas un être humain avec des facteurs machisme un petit peu. Je dois être plus fort que lui, je vais l'écraser, je vais faire ci, etc. Pour moi, un adversaire, c'était quelqu'un que je respectais déjà. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour tous les gens que j'ai pu rencontrer. Et je les ai retrouvés après avec plaisir. Et pour moi, je construisais mon combat comme une partie d'échec. Au départ, je n'avais pas une condition physique extraordinaire qui me permettait de donner des coups dans le vide. C'est pour ça que je m'affectionnais à travailler plus la technique, faire travailler l'autre dans le vide et moi toucher. Il donnait 10 coups dans le vide et j'en donnais un qui passait. Pour moi, c'était plus important. Et je travaillais à l'économie, ce qui fait qu'après, même en ayant une condition physique meilleure, j'ai toujours continué à travailler à l'économie de façon à privilégier vraiment l'aspect escrime du pied et du poing plutôt que de travailler sur l'adversaire comme on peut travailler sur un sac en donnant une multitude de coups sans s'adapter à la forme de boxe de l'autre et sans essayer de trouver les failles et de provoquer les failles. Ce qui est important, c'est quand on boxe, c'est vraiment de travailler avec sa tête, de ne pas travailler avec ses muscles. C'est pour ça que l'on peut dire que le boxeur est intelligent quand il travaille avec sa tête. Le boxeur n'est pas forcément intelligent quand il travaille que des automatismes. Il devient intelligent quand il dépasse les automatismes et qu'il en arrive à réfléchir et à se poser les bonnes questions. En situation de stress intense, on a le fonctionnement des cerveaux qui va être perturbé, c'est-à-dire que le cerveau des émotions va prendre le pas sur le cerveau de la réflexion. Et ce qui est important, c'est que même en situation de stress, on doit être capable de refaire la marche arrière et de repartir sur le cerveau de la réflexion
et de se poser les bonnes questions. Et je pense que les minutes de repos sont faites un peu pour ça aussi. Les conseils des hommes de coin doivent être propices et discrets et puis fonctionnels. Et puis, on doit être capable de réfléchir même en situation de déroute, être capable de se remotiver, de se reposer les bonnes questions et de retravailler sa stratégie. Ce qui me paraît important, c'est que quand on monte sur le ring, ça doit être une atmosphère de fête. C'est-à-dire que c'est la concrétisation de tous les sacrifices qu'on a pu faire à l'entraînement. Et quand on monte sur le ring, ça doit être une fête. C'est-à-dire qu'on doit se faire plaisir. On doit faire plaisir aux gens qui sont autour, mais surtout on doit se faire plaisir à nous. Et il ne faut pas que ça devienne infernal, que ce soit une torture de monter sur le ring au niveau de la pression. On y va parce qu'on veut y aller. Et tout l'entraînement qu'on a fait, c'était pour monter. Et à partir du moment où on monte, ça doit être une fête, et une fête pour tout le monde. Et quel que soit le résultat, l'important, c'est de se faire plaisir.